pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Jean-Claude Bourret, les documents que nous avons présentés hier à propos de ce cliché pris par Concorde au-dessus de l'Afrique en juin dernier, eh bien, ces documents ont beaucoup fait parler les spécialistes un peu partout dans la presse et maintenant une polémique est née. Alors, est-ce vraiment ou n'est-ce pas un OVNI? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire, Claude, la polémique dont vous parlez vient plutôt des journalistes que des scientifiques, car vous allez le constater, j'ai réuni ce soir les deux scientifiques qui sont à l'origine en partie de l'affaire. Il s'agit de monsieur Pierre Guérin, qui est astrophysicien et maître de recherche au CNRS et qui a été l'un des premiers à voir le cliché original de cette photo, et il s'agit de monsieur Claude Poher, directeur du département fusée du Centre national d'études spatiales, qui lui a eu la photo depuis plusieurs mois également et qui l'a analysée grâce à son ordinateur. Et vous allez le constater, eh bien, ni l'un ni l'autre n'ont fait de déclarations fracassantes, affirmant notamment que l'objet que l'on voit sur cette photo était bien un OVNI, et Claude Poher est particulièrement ferme sur ce point. Ce cliché, je le connaissais depuis plusieurs mois parce qu'on avait eu la gentillesse de me le communiquer à titre d'information et je n'y avais pas attaché une très grosse importance personnellement. J'ai d'ailleurs fait subir à ce cliché récemment les tests habituels que je fais subir à ce genre d'observation et le système informatique sur ordinateur a refusé de prendre en compte cette observation comme un OVNI puisqu'il y a des explications possibles de ce genre d'observation qui ne fait pas partie des meilleurs cas du tout de témoignage. Attendez, vous avez dit que l'ordinateur avait rejeté ce cliché. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite pour les auditeurs qui vous écoutent? Oui, c'est assez complexe. En fait, il y a un certain nombre de tests qui permettent de vérifier d'une façon impersonnelle, si vous voulez, que l'observation présente un certain intérêt et ne risque pas d'avoir une explication plausible. Ces tests sont indépendants de la passion que l'on peut avoir soi-même pour le Concorde, pour l'éclipse, pour une équipe de scientifiques. Ces tests sont purement mathématiques et les résultats sont calculés en chance que l'on a de pouvoir expliquer ce phénomène ou de ne pas pouvoir l'expliquer du tout. L'ordinateur a refusé de rentrer ce test dans la liste des observations en considérant que son étrangeté et sa crédibilité n'étaient pas excellentes. Autrement dit, l'ordinateur a rejeté cette photo en affirmant en quelque sorte que ce n'était pas un objet volant. Absolument pas, absolument pas. Il a rejeté ceci parce que les critères qui lui permettent de choisir les objets volants identifiés n'étaient pas remplis. En particulier, il n'est pas impossible du tout qu'il y ait eu une insolation de la pellicule par de la lumière, en fait, avant ou après la prise de vue. Nous n'avons pas de témoignage visuel au moment de la photographie pour affirmer qu'il y a eu simultanéité de la prise de vue du fond et de cet objet. D'autre part, la qualité même de la photographie, la valeur de ce témoignage est très faible par rapport à l'ensemble des témoignages des meilleurs que nous avons sur le sujet. Pierre Guérin est avec nous dans le studio à Paris. Pierre Guérin, vous avez vu également ce cliché et dans des conditions exceptionnelles. Alors, votre avis? Eh bien, j'ai vu, moi, le négatif original et j'ai également vu des copies puisque c'est moi qui en ai fait d'abord et c'est moi qui en ai envoyé à Poher à Toulouse pour que Poher vérifie d'abord s'il y avait eu ou non des lancers de fusée ou des phénomènes classiques qui pourraient expliquer cette image sur la pellicule. Le résultat des recherches de Poher a été initialement, d'ailleurs, qu'aucune fusée qui monte vers le ciel ne pouvait rendre compte du phénomène, aucun parachute, le parachute s'ouvre plus bas, ne pouvait en rendre compte non plus. D'autre part, au point de vue astronomique, j'affirme qu'aucune planète, contrairement à ce qui a été dit à l'observatoire de Nice, ne peut rendre compte du phénomène parce qu'il est d'un diamètre apparent beaucoup trop grand pour ressembler à une planète avec un foyer de 45 mm et un objectif photo ordinaire. Donc, les choses en étaient restées là, et j'étais arrivé à la conclusion, comme M. Poher, que cette photo ne représentait à coup sûr pas nécessairement un OVNI. Je ne dis pas qu'elle ne représente pas un OVNI, mais elle ne me paraissait pas prouver en quoi que ce soit qu'il s'agit de ça. Et à ce titre-là, je n'étais pas du tout d'accord, et je l'ai répété souvent, pour qu'elle soit diffusée
et qu'on en fasse état surtout, c'est-à-dire que la photo a bien été diffusée à quelques rares personnes, y compris des journalistes. Le tort qu'ils ont eu, c'est d'en faire état un peu vite et d'interroger l'auteur ou l'un des camarades de l'auteur pour extorquer de lui des déclarations qui ensuite ont fait boule de neige aux grands dents des pauvres personnes en question qui se sont trouvées hier matin dans une situation impossible, comme si elles avaient déclaré qu'il s'agit d'un ovni, alors que personne à l'Institut d'astrophysique ou chez les astronomes n'a affirmé une chose pareille, qu'il s'agisse de ceux qui sont contre la réalité de ces engins, comme beaucoup de mes collègues, ou qu'il s'agisse de moi ou de quelques rares autres qui sont au contraire favorables, mais dans le cas de cette photo, nous n'étions pas d'accord du tout pour affirmer une chose pareille. Il m'est arrivé, en expertisant une prétendue photo d'ovni prise la nuit, je dis bien prétendue, d'observer des taches qui ressemblaient étrangement à cela sur un fond noir de ciel, sur une pellicule Kodachrome X, et là il s'agissait de Kodachrome 2, ça sort de la même maison et de la même usine de développement à Sévran. Il m'est arrivé d'observer une petite tache sur un fond noir sous-exposé, petite tache avec des irisations colorées, qui a été à l'époque présentée par une revue d'OVNI comme pouvant être un OVNI décrit par un témoin, et en réalité, moi j'ai dès le début, en voyant cette tache, émis les plus grandes réserves, il s'agit d'une autre photo celle-ci, et manifestement il n'y a qu'un processus de lumière parasite au moment du traitement ou au moment de la mise en cartouche du film qui peut expliquer une petite tache aussi nette avec des irisations sur le cliché dont je parle maintenant. Alors en résumé, on ne peut rien dire, on ne peut même plus dire que c'était un objet. Et c'est vous dire à quel point, aussi bien Poher que moi, nous n'avons pas du tout été à l'origine de la diffusion de ce document. Claude Poher. Je partage tout à fait l'opinion de Guérin et je peux lui dire que moi non plus, je n'ai pas été à l'origine de ceci. Une équipe de reporters faisant une étude sur la comète Kohoutek a découvert par un certain nombre de bruits de couloir l'existence de ce cliché et l'affaire a été montée en épingle. En fait, je crois qu'il ne faut pas monter des affaires de ce genre-là en épingle et en tous les cas, il faut dépassionner le débat sur les objets volants non identifiés. Ça me paraît très grave au moment où précisément France Inter est en train de faire un dossier scientifique sérieux sur ce problème des ovnis, parce que tous ceux qui n'ont pas étudié le problème, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, mais qui pour autant ont une opinion en affirmant soit qu'ils existent vraiment, soit qu'ils n'existent pas, et quand on n'a pas étudié sérieusement le dossier, on ne peut pas avoir une opinion soit dans un sens, soit dans l'autre, ça me paraît très grave qu'une affaire comme ça intervienne, parce que les uns auront beau jeu de dire, vous voyez, ces histoires d'ovnis, ça n'existe pas, et les autres seront dans une position difficile. Et tout à fait. Et en fait, si on veut vraiment s'intéresser aux observations de ces objets, il y a eu, par exemple, récemment, le 6 décembre exactement, un atterrissage dans la région de Montpellier 7, qui présente un autre intérêt que cette petite tache lumineuse sur un cliché. Et je crois qu'il serait intéressant, par exemple, tout simplement, que les témoins qui auraient pu voir un engin passer dans la soirée de ce 6 décembre se fasse connaître, on obtiendrait des informations beaucoup plus précieuses que tout le bruit qui est fait autour d'un cliché dont la valeur n'est pas très grande pour faire avancer le problème. Vous pourriez donner quelques précisions sur cet atterrissage ? Non, je ne voudrais pas donner trop de précisions parce que justement ce serait fausser le jeu. Je souhaite ne pas citer le lieu ni citer l'heure, je voudrais simplement que les témoins qui auraient pu voir quelque chose dans un rayon d'une centaine de kilomètres, par exemple, autour de Montpellier 7, se fassent simplement connaître. On verra bien si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Oui, alors que ces témoins écrivent à l'émission Pas de panique, Maison de la Radio 75016 Paris, et nous vous transmettrons évidemment le courrier. Je vous en remercie. Oui, je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est qu'effectivement les témoins ne doivent pas se sentir ridiculisés. Mais d'un autre côté, il faut que leur jeu, leur déclaration ne soit pas faussée par une préconnaissance du problème. En fait, heureusement, il ne faut pas exagérer cette préconnaissance du problème. J'ai pu constater moi-même, en interrogeant des techniciens et des astronomes au Pic du Midi, au cours des repas que nous faisons là-haut avant d'observer la nuit, qu'en leur posant des questions précises sur ce qui se passerait dans tel ou tel cas, que moi je connais par dépouillement statistique des témoignages sur les ovnis, je leur ai demandé en somme d'avoir une préconnaissance, j'ai demandé à vérifier pour voir s'ils avaient une préconnaissance de ce que moi je sais après dépouillement. Je me suis aperçu que non. Cette préconnaissance n'existe pas. Il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas en rajouter, de sorte que j'approuve entièrement Poher de ne pas dire le lieu de cette affaire dans le sud-est que moi-même je ne connais pas, de ne pas dire la date, ni l'heure, ni le lieu, ni les témoins. Il faut que ce soit les témoins qui sachent qu'ils peuvent avoir confiance, qu'il y a quelques scientifiques qui se mettent à étudier ces questions, qu'ils ne seront pas ridiculisés, mais nous ne voulons pas, devant tout le monde, devant la presse, devant les journaux et publiquement, donner des trop grandes précisions au moment d'une enquête qui se fait, de façon à ne pas fausser les déclarations. Claude Poher, ce que l'on peut dire en conclusion, c'est qu'évidemment, vous tenez toute l'équipe de Pas de panique, confidentiellement pour l'instant, au courant de cet atterrissage. Bien sûr.
Jean-Claude Bourret, je crois qu'il faut certainement rappeler à nos auditeurs et surtout aux témoins de cet événement qui s'est passé à côté de Montpellier, la marche à suivre pour entrer en contact avec Claude Poher ou avec d'autres scientifiques. Il suffit simplement qu'ils nous écrivent, je rappelle l'adresse, à l'émission Pas de panique, France Inter, Maison de l'ORTF, 75 016 Paris. Pour en revenir, Jean-Claude Bourret, à cette affaire de Concorde, que doit-on faire pour l'instant? Est-ce qu'il faut attendre d'autres précisions ou peut-on penser que cette affaire est classée? Moi, écoutez, j'ai l'impression qu'elle est classée. On s'est emballé un petit peu vite sur le sujet parce que l'information était présentée dans certaines agences de presse de façon assez catégorique et sensationnelle. Il semblait qu'il n'y avait aucun doute. On avait prêté à Claude Poher des déclarations qui n'étaient pas les siennes. Et je crois que nous avons fait ce soir la preuve du sérieux de notre émission, car si nous avons démarré un petit peu sur les chapeaux de roue hier soir compte tenu des informations que nous possédions, eh bien ce soir nous rétablissons la vérité et ce n'est pas pour autant que le dossier, à mon avis, est faussé, bien au contraire. Malgré tout, Jean-Claude Bourret, je crois qu'il faut se garder d'être formel dans ce genre d'études, d'enquêtes, car après tout, c'est un peu comme pour la médecine, ce qui était formel il y a 20 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc, peut-être, pour l'instant, nous allons abandonner cette affaire du Concorde, mais rien ne dit qu'un jour nous n'y reviendrons pas. En attendant, lundi, nous allons ouvrir le sixième dossier OVNI, pas de panique. Nous allons revenir cette fois au témoignage, puisque vous savez qu'au début de cette émission, nous allons proposer aux auditeurs de France Inter des témoignages pour qu'ils prennent bien connaissance de ce dossier qui est important, puisque le phénomène OVNI n'est connu qu'à travers des témoignages et quelques photographies qui sont jugées authentiques. Je ne parle pas évidemment de celle de Concorde.